Avec les vidéos précédentes, on a vu comment caler des dents simples, on a isolé des mouvements de base, on a essayé la valse. Tout ce qu'il faut pour organiser ton meilleur party. Et comme on a pu voir dans les vidéos précédentes, le rôle de caller dans une veillée, c'est super important. C'est un maître à danser, un guide. C'est une personne qui accumule des danses pour s'en faire un répertoire. Plus on colle, plus on développe un style, avec ses propres formules qui peuvent être comiques ou qui peuvent marquer un rythme, comme à la manière d'un rap. Puis si t'as envie de caller en dansant, vas-y fort, en tout cas, ça met en forme. J'ai commencé à caller, imaginez-vous donc, dans des parties d'étudiants à la grande école. On était un groupe de musique, puis on faisait de la musique, mais là, on s'est dit, ah, on pourrait faire danser ce monde-là en plus. Puis moi, j'avais connu ça dans mon adolescence. Fait que j'ai été revoir le caller que je connaissais bien, puis j'ai demandé d'écrire les trois danses que j'avais appris, que j'avais vu faire, puis c'est de même que je me suis mis le fil en aiguille à caller ça. Assez swingé, descendez la danse, on va chasser! Ce qui me fait triper dans le call, c'est que quand je me ramasse à caller pour plusieurs personnes, j'ai l'impression de rendre beaucoup de gens heureux. Puis c'est vrai qu'il y a un transfert d'énergie entre musiciens, danseurs, calleurs. Puis après ça, bien, quand la danse est finie, les gens viennent me voir, puis « waouh, on a aimé ça, on a découvert ça ». C'est cette sensation-là qui fait que je continue à caller. Moi, je trippe ça, sur le call d'une certaine façon parce que, bien, comme artiste, c'est ma façon de m'exprimer. C'est comme d'être plugué sur le 220. T'as un musicien en arrière qui pousse la musique, t'as les danseurs en face, t'as l'énergie qui passe. C'est un feeling unique. La meilleure musique pour caller, moi, je dirais un reel assez rapide puis qu'il y a de la swing. Puis dans le fond, moi, je trouve que les paroles déboulent, tu sais, si c'est trop lent, ben il manque un petit torque. Fait que c'est ça. Bien, t'as raison. Moi, je dirais, ça prend des musiciens, donc de la vraie musique, là, derrière. Et puis, oui, le rythme, c'est important. Le tapage de pied, la swing. Dans le fond, quand les musiciens ont de l'énergie, ça donne de l'énergie aux danseurs. Ma meilleure expérience de call, bien, je pense qu'il y a un moment où j'étais à l'école Joseph-François Perrault. Puis c'est des secondaires. J'ai fait une danse pour la fête de Noël, puis c'était des niveaux secondaires, peut-être 3, 4, 5 ou quelque chose comme ça. Puis c'était un moment magique. Il y avait tellement d'adolescents qui dansaient avec une énergie phénoménale. Ça me faisait du vent sur scène. En tout cas, j'ai adoré l'expérience. Il y avait plein de sets. La participation était excellente. Ça m'a rempli de joie. Dans ceux qui sont faciles à faire danser, je trouve les nouveaux arrivants. Hein, souvent, dans leur pays d'origine, les traditions sont encore très vivantes. Puis, ils connectent super vite avec l'énergie. Tandis qu'ici, bien, on se réapproprie un peu plus notre folklore. Alors, j'ai trouvé ça, ce côté-là. Puis, ouais, les plus ardus, ceux qui ont trop mangé ou trop bu, plus difficile à gérer. Les danses qu'on danse, ils tirent leur origine hein, des Anglais, des Américains, des Français. Dans le fond, on était des colonies de quelques-uns de ces pays-là. Puis, il y a d'autres pays dans le monde aussi. Ça m'est arrivé de voyager en Haïti. Et puis, comme ça y a une colonie française, il y avait eu l'influence des quadrilles. Et puis, je me suis ramassé dans un set carré en Haïti. Imaginez-vous donc, le caller avait les maracas. Il était au milieu du set. Puis, le monde, quand ça swingait, ça se déhanchait un peu plus que par ici. Tu sais que ça peut arriver que certains danseurs connaissent la danse par cœur. Fait qu'ils la font sans caller. Quintoué, au chômage, le gros. On retourne danser? Tu peux cliquer sur la vidéo juste ici pour caller une version simplifiée de la contredanse.